Cheaters, un monde magique plein de super aventures. Cry Baby. Carélé, je voudrais aller de l'autre côté. Un petit pas par ici, un petit pas par là, un autre pas là-bas et le porte-fantaisie s'ouvrira. La prédiction de Tina. Tu vois? Oui, oui. Je vole. Ah, aïe. Oh non. C'est bon. Les fantaisies. Ah, aïe. Vous savez quoi? Je voudrais tous vous inviter à... Oh. À ton festival de poésie. C'est génial. On va y aller en volant. Ah. Moi, je m'habituerai jamais à ce monde-là. Babi, tu ne dis pas la même chose, hein. Est-ce que Tina sera chez elle? Je savais que tu viendrais. Rentre, Boubi, tape là. Demain, je réciterai de la poésie en chantant. Je vais chanter une chanson. Et tout le monde va l'adorer. On est vraiment obligé de venir. Parce que si je ne le voyais pas, je ne le croirais pas. Tu vois? Moi aussi, je sais faire des rimes de poésie. Arrête, t'as pas l'habitude, toi. Tu pourrais me dire s'il va faire beau, s'il te plaît? Bien sûr. Mais j'ai besoin de me concentrer. Concentration. Concentration. Hein? Oh non! Fais attention avec l'eau. Ah, elle va tous mouiller. C'est dangereux. Quoi? Elle a parlé d'eau? Oh non, on s'en va. Aïe. Si je te disais qu'il n'y aura pas de soleil, je te mentirais parce qu'il brillera à merveille. Hein? Quelle course! C'est à cause du trac de la première. Qu'est-ce qui me va le mieux? Ce rose-là ou le rose pâle? Le rose pâle. Il est pas beau, ce rose. Mais non, c'est le rose pâle qui est fade. Oh non, demain c'est la fin du monde. Tina a vu plein d'eau dans sa boule de cristal. Ça veut dire que tout va être inondé. À déluge. Oh Rita, on y va en volant. Ça va être libre. On peut pas laisser la vallée comme ça. On doit se préparer pour l'inondation. Eh ben, à moins que tu aies un bateau chez toi, Lady. C'est ça. Je sais, on va construire un bateau énorme pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il est beau. Incroyable. Ne vous inquiétez pas, le bateau nous sauvera de l'inondation. Et s'il pleut beaucoup, on surfera. Ouais, mais aujourd'hui c'était mon récital. Et j'avais très envie de chanter mes poésies. J'aime trop ma maison. Qu'est-ce qui vous arrive? Et pourquoi vous êtes dans une baignoire? Je crois que ça doit être une fête d'ici. Les maisons, la pluie, l'inondation. Mais quelle inondation? Mais t'as vu beaucoup d'eau dans ta boule de cristal. Et t'as dit que tout allait s'inonder. Mais non. C'est Tini qui a fait tomber le biberon par terre. J'ai dit que le soleil brillerait à merveille. C'est vrai? Alors du coup, il n'y aura pas d'inondation? Bien sûr que non. Oui, je vais pouvoir chanter mes poésies. La plus sympa, elle danse au rythme de la samba. Lady est une étoile dans le ciel et elle brille tout autant qu'elle. Qu'est-ce qu'elle est marron, Tina. Elle aime danser la salsa. Au secours, au secours, dans le ciel. La poésie est géniale, mais ta diction est pas terrible. Eh ben, en fait, t'as fait venir la pluie. Et ben, Bonnie, t'as la verre.
Oh, Tina, tout le temps en train de faire des blagues. La boule de Tina est très belle. Ça veut dire que ça va être une belle journée. Ah ah! Ben ça alors! On a une visite touristique. Vous avez vu ça? C'est un geyser. Je dois le surveiller tous les jours. Pourquoi? Parce que le geyser est connecté à la fontaine des larmes magiques. S'il arrive quelque chose au geyser, la fontaine magique s'arrête et la montagne fantaisie pourrait disparaître. Vous vous rendez compte? Waouh! Ça serait une vraie catastrophe! Tu es très important! C'est sûr! Suivez-moi! Je vous signerai un autographe plus tard. Le bleu lune avec le bleu nuage. Le bleu foncé avec... Et à la fraise. Vous êtes très drôle. Saut glacial. Tu vas battre ton record. 1, 2, 3. Attention. C'est pas grave. Je vais le nettoyer avec... Aïe. Le super aspirateur de Missy. Non, Bonnie. Cet aspirateur est super puissant. Tu te rappelles la dernière fois? T'inquiète. Que... Tout est sous contrôle. Regarde ce que t'as fait! Vous feriez mieux d'aller jouer ailleurs, d'accord? C'est ça, oui! Allez jouer avec la balle! C'est bizarre ça, non? Bon, ben puisque c'est comme ça, allons jouer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La fontaine a l'air de ne plus marcher. Oh oh! Ma boule, il y a quelque chose qui va pas! Regardez-la! C'est comme si la fontaine était bloquée. Peut-être que si je mets le doigt... Mais si c'était si grave? Dina nous aurait dit quelque chose avec son klaxon. Attention, attention! Il se passe quelque chose! Mon bras, il est bloqué. Bonnie, on a besoin de ton aide. Ouh là là, mais qu'est-ce que tu as fait? Je suis bloquée. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui tirait de l'autre côté. Rim et Kurni ont bloqué le geyser avec une petite balle. Quoi? Vous avez encore fait des bêtises? Et maintenant, on fait quoi? On peut pas laisser Jessie comme ça. Je sais. On va convertir la fontaine en glace et comme ça, tu seras libre. Très bonne idée. Ça marche pas. J'espère que c'est bon. Moi, je suis toujours bloquée. Bon, d'accord. On va tirer bien fort. J'ai une super idée. Attends, Bruni, t'en vas pas. Oh non! La montagne fantasy est en train de disparaître. Attendez! J'ai trouvé la solution. C'est le super aspirateur. Merci Bruni, tu as réussi. La montagne fantasy a failli disparaître. Mais le plus important, c'est que tu nous as sauvés. Regardez, tout est en train de réapparaître. Et la fontaine remarche. Waouh, ma maison. Merci les amis. Magic Tears. Vous voyez, tout va très bien ici. Heureusement que je surveille, hein. Waouh, t'es génial. Cry babies, magic deals. Un monde magique dans le super.
déjà? Nuage glacé et étonnant. Waouh! Je veux l'essayer. Fais attention. Tu sais pas nager. J'arrive. Rime. Que le temps s'arrête. Qu'ils reprennent. Waouh! T'es trop fort. J'aimerais bien être moins maladroit comme toi. Bah, c'est pas la peine. Toi, tu arrêtes le temps. J'aimerais bien être comme toi. C'était quoi, ça? Le nuage est en train de fondre. Au fait, Tina nous avait dit de ne pas jouer avec les nuages. Ils ont des pouvoirs magiques. Bah, c'est des histoires, ça. Dors bien, Rim. Rêve d'un trampoline en arc-en-ciel élastique. Allez, hop. Il n'y a rien de mieux que mon lit. Bonjour, Bru. Rim? C'est quoi ce cheveu rose? Et cette voix? C'est pas ma maison. Et c'est pas moi. Maintenant, j'ai le corps de Dreamy. Et mon corps. Attends, comment ça, Drini et Bruni? Tina, hein? C'est horrible tout ça. Je suis Bruni. Et moi, je suis Dreamy. C'est juste pas possible. Comment vous avez fait pour échanger vos corps? Et comment ça se fait que j'ai rien vu? Eh ben, tu vois, hier, je lui ai dit que je voulais être comme elle. Et moi, pareil. Juste en disant je veux être comme toi? Eh ben, du coup, moi, je serai un oreiller maintenant. Quoi? Vous avez congelé un nuage? Je vous avais dit de ne pas vous amuser avec les nuages. Parce qu'ils ont des pouvoirs magiques. Bon, je vais aller voir tout ça. Mais alors, en attendant... On va devoir vivre l'un et l'autre avec le corps de l'autre. Salut. Tiens, Dreamy, je sais que tu aimes les bruitages. Mais non! Dreamy, c'est moi! Tu me crois pas? Eh ben, regarde. Des glaces aux bretzels. Et j'ai aussi perdu le pouvoir de faire des glaces. Ah, ça, c'est à moi. Alors, ça veut dire que moi, je peux les faire? Ah, oulala, je crois que c'est vraiment petit. Je comprends rien à tout ça. J'ai arrêté le temps pendant une seconde. On va devoir s'entraîner pas mal. Allez, viens. J'ai rien compris. À l'instant. Et mes bretzels. 6, 7, 8, 9... Et 10. Je t'ai eu. C'était trop facile. Tout va bien, Bruni? Je suis pas Bruni, je suis Dreamy. Ce corps si maladroit appartient à Bruni. Et mon corps peut faire ça. Waouh, c'est génial. Bah, avant moi, je pouvais le faire. J'adore être agile comme ça. Et les bébés? Je sais comment vous pouvez récupérer vos corps. Vous devez vous mettre sous le nuage, vous prendre la main et dire « Chaque fantaisie doit toujours rester à sa place. » Et c'est comme ça tous les jours que ça se passe. Ouais, je veux récupérer mon corps. Mais je suis désolée, Dreamy. Mais j'ai pas envie d'être maladroite comme avant. Bruni, attends. Il faut vraiment que je te parle. Aïe! Eh ben, quelle gamelle! Tiens, avec une glace, tout est plus facile. Bruni, s'il te plaît, rends-moi mon corps. Bon, d'accord. Je veux bien te le rendre. J'ai l'habitude d'être maladroit et ça m'est égal. Excuse-moi d'avoir été si égoïste. Mais moi, tu me plais comme tu es. Tu es la meilleure amie du monde. Chaque fantaisie doit toujours rester à sa place. Et c'est comme ça tous les jours que ça se passe. Ça, c'est vraiment moi. Toi aussi, tu m'as tellement manqué. Fantasy Magic Tears. Je vole pour de vrai. L'agilité, c'est contagieux. J'adorerais être comme toi.